que ça m'a apporté de recevoir ce prix. C'était le jour même, évidemment, le plaisir d'être primé par des pairs. Mais aussi, lors du cocktail qui a suivi la remise des prix, je me souviens d'un diffuseur et d'un agent qui sont venus me voir et qui m'ont incité à faire des propositions, à leur faire des propositions, donc en dehors du domaine de la recherche universitaire et pour s'adresser à un public plus large. Et j'avoue que j'ai été très sensible à ce retour qui m'avait été fait et c'est ce qui m'a donné le goût d'imaginer des formules qui s'adressent à côté, moi, de mes activités pédagogiques à l'université, qui s'adressent à un public plus large. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à une coproduction avec la Jeunesse Musicale Canada où j'ai mis sur pied un concert-conférence sur scène, non plus devant mes étudiants, mais devant un public curieux. Et ça m'a donné le goût d'en faire d'autres pour justement faire mieux apprécier les musiques du monde à des endroits où on ne les attend pas nécessairement. Personnellement, oui, aussi, ça m'a apporté quelque chose parce que moi, je me considérais comme un chercheur en marge, à la marge de la musicologie, à la marge de l'anthropologie, cette discipline qui moi me paraît absolument extraordinaire, l'ethnomusicologie, mais qui est toujours en marge de quelque chose. Et là, j'apprends grâce à ces contacts, grâce à des contacts de plus en plus importants avec des musiciens, avec des organismes culturels, avec des agents, avec des diffuseurs, que les musiques du monde peuvent représenter un enjeu plus important. Donc non plus à la marge, mais véritablement un enjeu de société aujourd'hui à Montréal et au Canada pour contribuer à mieux intégrer la diversité à travers des projets concrets et qui concernent des hommes et des femmes qui sont venus de l'étranger, qui sont installés ici au développement et au rayonnement de notre société.